les gars, aujourd'hui, c'est Yes Man et c'est Younes. J'ai trop souffert, regardez, j'ai trop souffert. C'est vrai. Aujourd'hui, la souffrance, on va la transférer dans un. J'ai pas compris, hier, vous étiez les pires ennemis et aujourd'hui, vous êtes les pires amis. On n'est pas les pires ennemis, n'importe quoi. Je t'avais dit c'était une trêve internationale de 1 heure. Exact. Là c'est fini maintenant, là, c'est toi qui m'a. Ah là c'est moi l'ennemi aujourd'hui. Ouais. Donc, tu vas dire yes man à tout ce qu'on te dit de faire. Exactement. Si je te dis tout de suite plonge dans la piscine habillé, tu vas. Vas-y, t'inquiète, je vais obéir. Omar, laisse-moi juste 5 minutes, je vais m'occuper de lui pour bien qu'il s'échauffe pour la vidéo. Vas-y, moi je vais à la piscine maintenant. Vas-y, ça marche. Omar, tu vas tuer le match de waterpolo, ils nous ont pas appelé. Fallait nous appeler. Tu vas sauter, tu vas aller go. Eh, il est grave fort en plongeon. Il m'a caché ça lui. Eh, wallah, ton plongeon 8,5 sur 10. T'as dit quoi? Ton plongeon 8,5 sur 10. Eh, t'as pied? Ouais. Ah. Non, ça, t'es perdu du temps, viens, on y va là. Ouais, ça arrive. Vas-y, viens. Eh, on revient, c'est bon? Souhaite-moi bonne chance. Souhaite-moi bonne chance. Vas-y. Non, mais Yacine, ça, qu'est-ce qu'on fait là, frère? Omar, tu vas souffrir aujourd'hui. Mais regardez, il m'emmène où? Va, ramène-leur la caméra là-bas. Regardez l'endroit, frère. Là, c'est censé être un terrain de foot, c'est du sable bizarre là, je sais pas ce que c'est. Pourquoi quand tu choisis des vacances, quand tu choisis des vacances sur un site internet, regarde qu'il y a des bons terrains de foot. Il n'y avait pas de photos. Il y a des cages, là-bas il y a des chiens, il y a des chiens en train de nous regarder. Ouais, bah, il y a des chiens. Putain. Tu vas faire un truc camp militaire là tout de suite. Genre tu vas m'enfermer, mais non, on m'enferme pas là, il y a camp militaire, je vais t'enfermer là et tu restes là toute ta vie. Ça. Si je t'ai ramené dans la jungle, c'est pour que tu sois prêt pour ce Yes Man. Tu vas devenir un homme fort aujourd'hui. Bon allez. Tu vas commencer, tu vas prendre le bout de bois, tu vas faire des reps développés militaires. Quoi? Vas-y là! Pousse-toi, des ordres comme ça. Là. C'est un yes man. Yes man au bled, y a pas de quoi, tu dois dire yes man. Yes man. Allez. C'est grave lourd, Yassi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Le bois il vient d'amasser. 7, 8. Elle fait 1 cm et m'attaque. 9, dans 9, ma tête. 20, c'est bon, pause. Ah, la forêt, tu vas faire des pompes, allez. Des pompes sur les claquettes. Toi, t'es chiant, vraiment. Putain, c'est quoi ce bourbier, là? On est au bled, frérot. Hein. Encore, dis merci que je te fais pas descendre dans le puits, là. Arrête-toi pas, pourquoi tu triches? Là, s'il y a vraiment un puits. Oui. Mais je vais pas mettre mes pieds, là. Vas-y, dépêche-toi, là. T'en refais 5. La bête, je vais te monter en l'air, continue. Hein. Allez, t'es morte. C'est bon, lui, on va à la piscine pour un yes man, c'est fait. Non, allez, tu finis par les tractions là-bas dans les cages de foot qui marchent pas là. Vas-y, accélère s'il te plaît. Il y a des chiens, ils vont me croquer. Ouais, c'est le risque de me tuer. C'est pour ça que les blédards ils sont forts. Mais moi, il y a des chiens là, si. Ouais, c'est. Il est tombé par terre. C'est pour ça que les blédards ils sont forts. Ils ont des terres, des paysages, des trucs de survie. Regardez, ces pieds décollent pas du sol. Hein. Voilà, c'est bien, c'est bien. Jusqu'à que ton corps il répond plus. Ah, c'est bon, il répond plus. Non, bah non. T'es sûr? Alors, on fait dans 3. Allez. 1, 2 et 3. C'est bon, t'as fini. C'est bon, je suis chaud pour Yes Man. Younes, ça va, j'ai réussi l'épreuve de j'ai la. J'ai bien line contre eux qui m'ont pas attendu pour le water polo. Tu vas rentrer dans leur match, demander la balle et mettre un but. Mais je peux pas, je suis pas dans le. J'en ai rien à foutre, vas-y, va, dépêche-toi. Yes, et t'es avec les rouges, tu dois marquer contre les jaunes. Allez, go. Il a dit Yes Man. Je suis avec qui? Manchester? T'es avec Manchester contre Nantes. T'es avec moi. Vas-y, go, go. Ah merde, mon maillot. Vas-y, bombarde là. Remonte, voir. Maillot du Real Madrid. Ah ouais, c'est vrai, c'est un footix. En fait, j'ai fait exprès de sauter avec pour le laver. Oh le chien. Vas-y, go, go, go. Vas-y, ils ont la balle, ils ont la balle. Oh, ils centrent. Oh, si c'est pas un crevard, ils centrent. Si c'est pas un crevard, ils centrent. Oh, fini. Oh, oh non. Go! Bien joué, c'est validé! J'ai mis mon but! Allez, Ali Salem, va jouer avec eux maintenant! Et le goal, il m'a dit c'est pas cool, t'as un traître! Bah ouais, logique! Je vais marquer contre toi, logique! C'était le goal Nantes? Ouais, c'est ce qu'on a joué hier avec à la fléchette là! Ah, il a dit la prochaine fois, tu viens avec nous avec l'équipe des jaunes! Je lui ai dit ouais, t'inquiète! Bon, vu que t'as réussi le défi, je te laisse 20 minutes de trêve! Va qu'à tes occupations! Je vais jouer avec Omar! Fais ce que tu veux! Le skin, il est bloqué! Ouais, on est bloqué. Sa carte ne passe pas. T'as vu, c'est ça, j'aime pas. Je suis allé la changer pourtant. Et ça marche toujours pas. SDF en Tunisie, mais fais-le bien. Vas-y. Reste en bas. Mais regarde comment c'est vieux aussi. Voilà, il y a de l'ADN dessus, frère. De l'ADN. Toujours pas réussi à ouvrir la porte après tout ce temps. Oui, je découvre, c'est quoi ça à côté de toi là?
Jack, mais il est mal, lève-toi. Va réessayer, dépêche-toi, c'est pas une solution l'alcool. C'est pas une solution. C'est quoi cette... Vous savez comment on ouvre la porte? Il faut être un peu pec-sec. Tu la mettes, bon, alors c'est ma copine, la spéciale. Ça fait déjà deux fois, fais-toi respecter. Va à la réception, dis-lui. C'est Omar, je dis, je suis Omar. Don Omar, respectez-moi. Mais Skin, ça fait déjà deux cartes, il doit changer. C'est trop. Je vais leur dire, ouais, est-ce que vous pouvez me donner la clé de la Non, mais si tu parles avec ce ton de bouffon comme ça, ils vont pas te respecter. Mais tu dis, tu prends cette boîte, ça fait deux fois déjà. Commence à me donner des bonnes clés. Oh. Bon, allez, il y va. Ça va, ça a été rapide. Merci. On va voir si ça marche. Ouais, la chambre 33-14, faut la changer. Elle m'a même pas demandé des renseignements, j'étais avec lui dans la chambre. Pris. Elle m'a dit, mais là gros, ce soir je lui demande la chambre de la 4000, la 2700. Ah, tu vas voir, oh le fou. Ouais. Espérons que ça marche. On donne carte. Tout ça pour un maillot dedans, les gars. Ouais, bah c'est tout un... ça pour un maillot dedans. Oh là là. Et là, mets pas à côté de ton portable. Elle met pas à côté de ton portable. De toute façon, je regarde votre chambre, vous, comment elle est. Toi, tu dors où? À voir. Dans le coin, ok. Tu veux que je te foute le sel? Ouais. Oh, le diamant, comment t'as fait pour avoir deux coussins? On m'a demandé à la femme de ménage quand elle vient dans la chambre, on a réclamé un coussin. Et elle vous a donné? Ouais. Ah ouais, t'as le bras long, on va juste vérifier votre salle de bain. Toujours vérifier la salle de bain des gens. Wow, oh, elle est incroyable. La nôtre est éteinte. On a un lavabo, tu poses ta main, ça va tomber. Ouais, mais vous avez une vieille chambre, je sais pas pourquoi. C'est un truc de ouf, vous avez une bonne baignoire. En vrai, c'est bien, il y en a toujours un qui se fait carotter dans l'histoire et fait c'est toujours... Et votre terrasse, comment elle est? Vas-y, montre. Elle est pas très bien. Voilà. Au moins, vous avez vu sur la piscine, je crois. Même là, c'est bloqué. Bonjour, monsieur. Ça va, vous avez vu sur les arbres. Ouais. Pas mal. Vas-y, prends ton maillot de bain là. On y va. Younes. Ouais, une pause, une petite pause quand même, les gars. Non, petite, pas de pause. Y'a quoi? Tu jongles. Si tu fais tomber la balle, 5 euros. Oh putain. Heureusement que je suis un professionnel. La balle, elle va pas tomber, t'inquiète pas, frère. Non, je sais, mon gars. Tu peux revenir ce soir si tu veux, t'inquiète, elle va pas tomber. Tu peux carrément revenir ce soir. Vas-y. Oh. Yeah. Non, elle est pas tombée. Elle est pas tombée. Ah. Bon, au niveau des glaces, c'est que j'ai perdu le défi. On va regarder. Ah, c'est genre comme Magnum. Ils ont appelé ça Las Vegas. Oh, la glace, elle est toute légère. On dirait pas les graves grosses. Ouais. On a ça, on a des pots, chocolat blanc, on a des cornets. Ah, les cornets sont fourrés. On a quoi encore? Las Vegas. 5 dinars, ça fait combien? 1 euro. T'as un ouf. 1,50€. Ça fait 2 euros. 2 euros la glace. Non, c'est trop cher ici, Younes. Ah ouais, ils allument. C'est trop, faut pas gaspiller l'argent. Bon, Younes, je te lance un défi, tu vas devoir négocier des massages pour nous à 15 euros par personne, s'il te plaît. Sachant que la dame nous a reconnu, elle sait qu'on fait des vidéos sur YouTube ici. Donc ça peut être certains que je vous avais dit qui nous ont allumé parce qu'on parlait pas. Je vais essayer de lâcher. Non, parle pas. Fais une petite démo. Salam alaikum, oh, on est dans le meilleur hôtel de la Turquie. Ouais, comment ça? Et là, il a dit deux mots et cinq mots. Elle a rien. Ouais, c'est pas en arabe qu'il a parlé. Hello. Oh, my name is Bajan Bakla. Salam alaikum. Attends. Mais moi, lui, ça le dérange pas qu'on file. Elle s'en fiche. Oh, il y a une piscine là-bas. Ah ouais. Piscine intérieure. En fait, on fait un reportage pour YouTube. Là, c'est le meilleur hôtel de la Tunisie. Non. Je regardais votre chaîne. Déjà, je sais qu'est-ce que vous essayez de faire. Mmh. Et je pars pas pour parler trop maintenant. J'ai des clients ici. Mais nous, on n'est pas des clients. Il t'a demandé que j'ai une réservation. Mais on vient pour réserver. Il a une réservation, laisse tawarni monsieur. Parce qu'on fait, on te montre. Non, mais on est une famille de 15. Ouais. Et j'ai vu un ami, il m'a dit un parc aquatique juste pas loin là. Ouais. Je vais voir avec toi, tu t'organises ça toi? Non.
C'est où qu'on peut le voir? Vous pouvez prendre un taxi, d'aller directement là-bas. Directement, ouais. Deuxième mission échouée dans l'Yesman. Et je vous promets, j'essaye de tout mon cœur, mais... Là, j'ai demandé pour le parc aquatique, mais lui, en fait, il fait pas de parc aquatique. Omar, il se fout de ma gueule, mais j'ai essayé. J'ai dit, on est dans le meilleur hôtel de... Non, voilà, je suis... Je suis choqué, par contre, vraiment. La dame, elle nous a dit, je connais vos vidéos, j'ai pas le temps pour vous, je m'occupe des clients. En mode, nous, on n'est pas des clients. On vient ici, on est... Ah, mais sur là, on allait tous prendre un massage. Ouais, on allait les rentabiliser, max. Non, mais j'allais dire, c'est le meilleur hôtel. J'allais dire, on est dans le meilleur hôtel. Non, il a dit... On fait un reportage pour YouTube, on est dans le meilleur hôtel de la Tunisie. Mais je voulais dire ça pour... Tu te fous de sa gueule. Ramène Zizitoun. C'est quoi avec la serviette là? De toute façon, il te répète ça, je l'ai déjà fait. Au début, il fait ça. Je te promets, c'est ça l'intensité des grosses mains tunisiennes, je vous promets. Mais lui, il a pas de muscles, il a que des os. Après, tu vois, il dit... Non, il y a un nœud. Tu fais beaucoup de musculation. C'est le truc du coude, C'est ça, répète. Je vous promets qu'il fait ça. Voilà, tu te fous de ma gueule. Non, il faut tout le temps ça avant le massage. Viens voir. Attends, la douche. Viens, venez. Genre, tu vas dans la salle de bain. Enlève ça parce qu'on n'est pas les handicapés. Stop! Je dirais juste, venez voir là, c'est une terrasse. Tu l'ouvres. Attends. La diète, le sport. Tout le temps, je vous dis, les gars, manger équilibré, c'est stupide là. Attends, on analyse ton assiette. Un gâteau. C'est la troisième assiette, ça. C'est bon, ça, au moins? Ah ouais. Est-ce qu'après, tu vas faire du sport au moins? D'accord. Tu t'appelles comment? Hamza. Hamza. On jusqu'à ça. Hamza. Tu viens d'où? Ouais, mais quelle ville? Saint-Gratien. Ah bah ça fait plaisir, machallah. T'as une dédicace à passer pour tes potes? Aïe, c'est bien. Et tu t'engages devant tout le monde à manger des légumes? Un peu pour la... Un peu. Pour une fois, je vais dans un restaurant pour pas manger. On regarde un match, on regarde pas la télé, on regarde Paris là. Eh mais Paris cette année, c'est trop, ils font que de gagner 4-0, 3-0, 5-0. Oh, après en Ligue des Champions, vous faites pas les floppers Paris. Hein. Je vous le dis. Hein.